Bonjour les amis, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je vous offre toute ma gratitude et je vous souhaite plein de dopamine et surtout plein de sérotonine. Parce que la dopamine, c'est ce qui dope, c'est ce qui donne la motivation, ce qui donne le désir ardent, c'est ce qui donne envie de se dépasser tous les jours, c'est ce qui donne envie d'aller au-delà donc de nos peurs et surtout de pouvoir aller vers nos rêves pour atteindre notre ikigai professionnel. Et la sérotonine, ben c'est ce qui crée la sérénité, le bien-être essentiel, parce que si vous n'êtes pas bien, votre cerveau limbique va le sentir. Alors premièrement, vous attirez des choses pas bien, et puis surtout, tout ce que vous vivez en pas bien, le cerveau a tendance à le repousser. Alors aujourd'hui, cette capsule, c'est pour vous dire que tout ce que vous souhaitez, et la réussite en particulier, c'est quoi la réussite? La réussite de sa vie, la réussite dans la vie, c'est deux choses différentes, mais à chaque fois, c'est au-delà de sa zone de confort. Vous l'entendez souvent si vous regardez des vidéos sur des chaînes de développement personnel. Sors de ta zone de confort, arrête de procrastiner, il faut faire des choses différentes. Ok, ça c'est bien beau. C'est facile de dire qu'il faut sortir de sa zone de confort. Ce qu'il faut expliquer, c'est pourquoi il faut sortir de sa zone de confort. C'est tout simplement parce que notre cerveau, c'est, comme le disait Bruce Lipton, c'est un ordinateur, un vaste ordinateur qui a stocké des expériences, qui a stocké des réactions comportementales et sur les signes environnementaux, c'est-à-dire ce que vous détectez par les cinq sens, la vue, l'auditif, la sensation, le gustatif et l'olfactif, eh bien votre cerveau va aller chercher dans sa bibliothèque les meilleures, on va dire, façons de réagir. Autrement dit, tout est conditionné. Et par rapport à ce que vous vivez comme expérience, dans tous les moments de votre vie, dans tous les domaines de votre vie, le subconscient va choisir la solution la plus adaptée en fonction du moment, mais sans que vous réfléchissiez. Autrement dit, ce sont des comportements behavioristes qui font que vous avez une situation, vous avez une solution, mais ce n'est pas vous qui avez choisi. Autrement dit, si vous voulez réussir à sortir de votre zone de confort, si vous voulez changer, si vous voulez une transformation, eh bien, il va falloir déprogrammer ce que vous vivez de manière inconsciente au quotidien. Pour cela, eh bien, il faut sortir ce que n'aime pas votre subconscient, c'est-à-dire sortir de la zone de confort, parce que le subconscient, il a trois caractéristiques. Il fait les choses de manière automatique, donc déjà c'est la force de l'habitude. La deuxième chose, il est fait dans la sécurité. Et donc sortir de sa zone de confort, ça veut dire qu'on est en insécurité, on est dans l'inconnu, et notre subconscient fonctionne toujours en allant chercher dans la partie thalamique la référence que l'on a eue dans le passé qui est en lien avec ses émotions. Autrement dit, c'est l'axe hypothalamus-amygdale, et cet axe hippocampe amygdale, et c'est cet axe hippocampe amygdale qui va aller chercher les réactions que vous avez. Si vous n'avez pas créé une bibliothèque d'événements différents de ce que vous avez vécu, et bien vous vivrez toujours les mêmes choses. Et bien, c'est ce que j'explique dans pas mal de mes séminaires. Si vous vous levez le matin, que vous avez toujours l'habitude d'aller consulter vos réseaux sociaux, d'aller voir votre boîte mail, d'aller voir votre messagerie, d'aller voir les SMS que vous avez reçus, vous faites toujours les mêmes choses, toujours les mêmes gestes, toujours les mêmes habitudes. Et les mêmes habitudes, ça crée le même environnement. Si vous voulez sortir de ça, eh bien faites un sevrage pendant une semaine pour commencer. Puis après, vous viserez un mois, c'est-à-dire un mois sans email le matin. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas le droit de consulter vos emails. Je dis simplement qu'il faut changer votre habitude. Il faut surtout pouvoir provoquer de nouvelles façons de faire et surtout changer votre environnement. Alors, un exercice que j'avais déjà donné dans une capsule il y a plus d'un an, c'est de faire en sorte que le soir à 18h, quand vous rentrez chez vous, ou 18h30, pendant une demi-heure, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, que vous ne faites jamais, qui n'est pas habituel pour vous. Vous avez une demi-heure en sortant de votre travail, en rentrant chez vous, à faire quelque chose qui est totalement inhabituel, quelque chose que vous ne connaissez pas. Alors, vous allez peut-être aller faire donc un cours de yoga, comme ça, vous prenez prétexte d'aller découvrir un cours de yoga dans une nouvelle association. Vous pouvez aller faire du karaoké, vous pouvez aller prendre un thé dans un endroit où vous n'allez jamais. Faites des choses pendant au moins une semaine que vous ne faites jamais. Mais
Autrement dit, vous êtes en train de couper les habitudes. Ça paraît très simple ce que je dis, mais c'est jamais simpliste. Vous coupez les habitudes de ce que vous avez l'habitude de faire, vous débranchez votre cerveau automatique et vous permettez de comprendre à votre subconscient qu'il y a d'autres façons de faire. Parce que c'est quand il comprend qu'il y a d'autres façons de faire qu'on peut créer de nouvelles habitudes. Les habitudes, ça conduit toujours au même résultat. Et pour commencer à changer d'habitude, il faut commencer à penser à l'envers. Autrement dit, il faut penser à votre futur tous les jours. Autrement dit, quand vous vous levez le matin, il ne faut pas penser à la journée d'aujourd'hui, il faut penser à votre futur dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Parce que c'est uniquement quand vous pensez à votre futur que vous créez dans votre subconscient de nouvelles expériences, puisque le subconscient ne voit pas la différence entre ce qui est vécu et imaginé. Et tout ce que vous pensez, vibrez, vivez dans votre futur, vous êtes en train petit à petit de l'amener dans votre subconscient. Du coup, ça n'est plus de l'inconnu. Du coup, ça ne génère plus de la peur. Du coup, ça génère de nouvelles habitudes. Alors, si vous faites ça, à partir d'aujourd'hui, pensez que chaque fois que vous pensez à vos soucis, chaque fois que vous êtes dans votre émotion, vous êtes dans le passé. Une émotion, c'est le passé. Le futur ne génère pas d'émotion. Simplement, il faut que vous ayez de l'enthousiasme à créer un futur, que ce soit identifié avec quelque chose que ça va vous apporter. Donc, pensez à deux choses que je viens de vous dire là dans cette capsule. Premièrement, c'est de vous lever le matin en ayant une vision de ce que vous allez faire dans un an, dans deux ans. Vivez-le, vibrez-le. Et plus vous l'avez dans votre esprit, plus vous l'avez dans votre cerveau, plus ça va devenir quelque chose auquel votre subconscient va s'habituer et créer petit à petit les conditions de manifestation de cette réalité. La deuxième chose, c'est le soir, débrancher votre habitude. Ne rentrez pas par la même route, ne prenez pas le même tram, le même métro, le même chemin, faites des choses inhabituelles. Et puis surtout, pendant une demi-heure, changez. Offrez-vous, allez, la demi-heure, c'est comme si vous aviez, on va dire, une créativité de tout instant. Dites d'aller que vous allez choisir de nouvelles chaussures, pas forcément des acheter, de choisir. Allez vous permettre d'aller tester d'autres choses, d'aller dans d'autres lieux. Et c'est en changeant vos habitudes, les lieux, les endroits où vous allez et les personnes que vous rencontrez que je peux vous dire que vous allez changer de vie. À bientôt les amis. Surtout, cliquez. Alors, soit ici pour vous abonner à la chaîne, soit ici, là, en haut à droite de l'écran, pour vous abonner aux masterclass, les 4 masterclass gratuites que vous retrouvez sur le site academiemadelrieux.com. À bientôt.